Long John Silver d'Argo, sorti en 4 volumes ces dernières années, dessiné par un des plus grands dessinateurs français, j'ai nommé le talentueux Mathieu Loffray. C'est un petit peu la suite de L'île au trésor, hein, Long John Silver, le personnage de L'île au trésor de Stevenson. C'est une somptuosité graphique absolue. Elle sort, cette histoire, dans 4 volumes en intégrale. Donc généralement, qui dit intégrale dit moins cher. Vous avez tout dans le même livre, et en plus de ça, dedans, ils ont rajouté 40 pages graphiques, des dessins absolument somptueux. J'essaie de l'ouvrir sans faire tout tomber. Des personnages principaux de l'aventure, Lady Hastings, et bien sûr, surtout Long John Silver. C'était un coup de cœur de ces dernières années. C'est une BD absolument somptueuse. C'est le genre de BD qu'il faut absolument avoir dans une BD-tech idéale, hein, comme un Corto Maltese, un Bilal ou un Tintin. C'est vraiment un must absolu. Long John Silver chez Dargaud, en intégrale, en un seul volume.